Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Je disais encore que je vous aime beaucoup. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et croyez toujours que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il sait que quand vous avez quitté vos maisons, vous avez aussi des soucis. Vous avez des problèmes. Et il saura comment résoudre tous ces problèmes. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu grand. Il fait des choses grandes, insondables et des merveilles sans nombre. Personne n'est lui incomparable. Du lever du soleil jusqu'au coucher, il est le Dieu élevé qui fait des prodiges. J'aime toujours que nous puissions être confiants. J'aime toujours que nous soyons confiants en Dieu. Que l'église de Dieu est plus que la maison des féticheurs. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. Ils ont peur de la maison du féticheur plus que l'église de Dieu. Ils croient que la puissance qui est là-bas est plus que la puissance de notre Dieu. La puissance qui est dans l'église du Seigneur. Non, bien-aimé. La puissance qui est ici dans l'église est plus que toutes les puissances qu'on peut nommer sur cette terre. C'est pourquoi il faut toujours être dans la joie quand tu viens ici. Tu n'es pas venu passer ton temps inutilement. Ceux qui passent le temps inutilement, ce sont ceux-là qui suivent la télévision. Ils sont devant les matchs de football. Ils sont devant des films et des séries. Ils sont devant des choses inutiles qui n'édifient pas. Ce sont ceux-là qui passent leur temps inutilement. Mais toi qui as remué tes pieds de la maison jusqu'ici, tu n'es pas venu passer ton temps inutilement. C'est pourquoi le psalmiste disait, il dit, heureux celui que toi, le Seigneur, tu admets dans ta présence. Il dit, heureux celui que toi,
Éternel, que tu as mis dans ta présence. Présence parce qu'il savait que devant la présence du Seigneur, il y a tout ce que l'homme peut désirer. Il y a toutes les solutions aux problèmes des hommes. Les hommes s'inquiètent parfois lorsqu'ils sont en dehors de la maison de Dieu. Mais lorsqu'ils viennent dans la maison du Seigneur, dans la présence de notre Dieu, il reçoit des solutions. C'était ça même les paroles d'Azaph. Azaph disait: je voyais les méchants prospérer. Ils étaient dans le mal, mais ils étaient toujours joyeux. À un certain moment, je voulais aussi glisser. Et je me suis dit, moi aussi, je veux parler comme eux. Mais il a eu de la retenue. Il a dit: si je fais comme eux, je trahirai la race des enfants de Dieu. Il a dit encore: j'avais des difficultés à comprendre certaines choses de la vie. Mais lorsque je suis pénétré dans le sanctuaire de Dieu, lorsque je pénétré dans la maison du Seigneur, je vis le sort des méchants. Je vis que le Seigneur m'est réservé pour la grande gloire. Il n'avait pas trouvé la solution en dehors de la maison de Dieu. Il a trouvé la solution dans la maison de Dieu. C'est là où il y a des solutions pour toi. Il n'y a aucun combat qui soit difficile dans ta vie. Difficile au point que tu ne puisses pas le remporter. Tous les combats de ta vie, tu peux les remporter au nom de Jésus-Christ. Mais seulement tu dois être disposé. Seulement tu dois t'adonner au Seigneur. Les cultes tels que nous venons comme ça, c'est un rassemblement sacré. On dit: Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. C'est pourquoi lorsque nous chantons, tu dois chanter de tout ton cœur. Lorsque nous prions, tu vas prier de tout ton cœur. Si tu veux danser, tu dois danser aussi de tout ton cœur. Et lorsque nous prêchons, tu dois donner les oreilles attentivement afin que tu écoutes ce que nous disons. Et vraiment, Dieu est redoutable. Il fait tout comme bon lui semble. C'est toi qui vois les combats difficiles. Mais pas Dieu. S'il veut te délivrer maintenant, il le fera au nom de Jésus-Christ. Pour lui, le miracle n'est pas extraordinaire. Le miracle pour lui, c'est sa vie, c'est ordinaire. C'est pour nous les hommes que les miracles sont anormaux. Mais Dieu, c'est sa vie, les miracles. Jésus faisait des miracles et il ne s'étonnait pas. Il faisait des miracles, il ne s'étonne pas, c'est sa vie. Il posait des gens aux questions: lequel d'entre vous est le plus aisé? Qui d'entre vous est le plus aisé? Homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que pour lui, toutes ces choses-là, c'était aisé de le faire. C'est lui le maître de toutes ces
ces choses-là. Il sait qu'il doit te délivrer, frère. Il sait qu'il doit te délivrer, bien-aimé. Mais toi, persévère de toujours venir au prix. Et prends aussi soin d'inviter ton voisin ou ta voisine. Ne laisse pas seulement ce travail-là aux frères de l'évangélisation. Parole que Dieu est en train d'écouter, c'est une grande parole. J'avais dit la fois passée que c'est dans cette parole que Dieu a mis la vie et l'immortalité. L'enlèvement, c'est dans cette parole. La vie éternelle, c'est dans cette parole que nous avons. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans cette parole que nous avons. Que tu es là. Un jour, tu ne t'assieras plus comme tu es là. Un jour, tu seras enlevé dans le nuée. Et tes souffrances seront finies, frère. Tes souffrances seront finies, bien-aimé. Parce que tu n'es pas là en vain. Tu es là pour un jour bien réservé. Un jour bien préparé par le Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut, c'est d'être parfait. D'être parfait pour que tu sois au père. Afin que tu sois vraiment prêt ou prête pour l'enlèvement. Moïse disait, non, c'est Balaam. Donc, Balaam a zaï pour le baboule. Mais Moïse l'avait écrit. Mais Moïse ne vous t'approuva qu'il a dit. Il dit ceci. A zaï pour le baboule. Il dit le Seigneur les a fait sortir du pays d'Égypte. A bien te gola binisa qui va voir la mort par l'Égypte. Et le Seigneur est pour eux comme la vigueur du bifle. A bien te zaba a zaï pour la tina bango, ma passe y a pas ta ça. Ah, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et que ma envoûtement est le coquille qu'au simba Jacob était. Ni la divination contre Israël. Mais bon, n'a rien coquille qu'au simba Israël était. Il ajoute une chose. Il n'est pas marqué. À autant marqué, il sera dit à Jacob. Quelle est l'œuvre de l'Éternel? Je suis dans Nombres chapitre 23. On n'est pas marqué. On lui dira quelle est l'œuvre de l'Éternel. C'est la manière. Vous n'avez pas fait sortir de l'Égypte en vain. Et il y a un animiste qui vit dans l'Égypte n'a pas maté. Il ne vous a pas fait sortir en vain, frère. L'animiste qui vit dans l'Égypte n'a pas maté. Il a une œuvre qu'il est en train de faire dans vos vies. Mais parfois, comme des hommes, on ne comprend pas encore l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et si on peut fixer par Dieu, on dira à ces gens-là quelle est l'œuvre de l'Éternel. Vous comprendrez ce que le Seigneur était en train de faire dans vos vies. Est-ce que maintenant là, tu ne comprends pas encore? Maintenant, si quand on se souvient maintenant les amours, on s'en est en train de gémir. On est mal à cause souffrir. Parfois, tu dis que Dieu m'a abandonné. Et dans mon souvenir, tes amours t'ignorent. Tu dis parfois, est-ce que Dieu réellement me connaît? Est-ce qu'il y a seulement vraiment les amours et bina? Il est écrit. Et comment bien dire? Autant fixé. Non mais maman quoi? On vous dira. À quoi est visage? Quelle est l'œuvre de l'Éternel? Moi, puis mon salaire en zambie. Si tu ne le comprends pas maintenant. Ceux qui osent se soulager le même. Tu le comprendras plus tard. Vous voyez, maman et Miguel. Mais marche d'abord avec le Seigneur. Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il finira par la rendre parfaite. Il n'abandonne pas l'œuvre en cours. Non. Il n'est pas cet architecte-là. Il n'est pas ce constructeur-là, frère. Qui abandonne une œuvre en cours. Et il part. Il dit qu'il s'est lassé de cette œuvre. Non. Quand il prend une œuvre, il continue avec cette œuvre. Et il l'amène à la perfection.
malgré qu'il y aura des combats, malgré qu'il y aura des oppositions, mais c'est Dieu. Il prend une œuvre. Oh, qui a gloire, frère. Qui a gloire. Parce que cet homme-là, il amènera cet homme-là à l'achèvement. En fait, que les gens ne se moquent pas de lui. Cette église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre avec vous. Il ne vous abandonnera pas en cours, frère. Tu peux manifester la fidélité. Mais quand Dieu veut sortir sa parole, il est derrière sa parole. Il va aller jusqu'au bout. Je t'informe. Tu étais venu prier. Tu t'es parlé par la prophétie. Il t'a promis des choses. Mais celui qui t'a parlé n'est pas un homme. Lui qui t'a parlé, il prendra soin de réaliser tout ce qu'il t'a dit. Mais toi seulement, demeure dans la présence de Dieu. Mais Dieu lui-même achèvera son œuvre. Et c'est ce que je voulais vous dire en guise d'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu expie vos péchés. Que Dieu vous montre sa miséricorde. Que Dieu vous pardonne. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Nous allons faire la lecture de notre texte. Vous allez comprendre la vitamine de la mission. Je prends Psaume chapitre 89. Qu'on lise ensemble. Psaume 89 à partir du verset 20. Jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. Et j'ai élevé diminué du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint devant lui une sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et Maïmonène et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Mon Dieu. Et le rocher de mon salut. Que le Seigneur bénisse la lecture de ce texte. Amen. Le Seigneur bénisse la lecture de ce texte. Amen. Et qu'il vous ouvre aussi l'intelligence. Et le Seigneur exauce la prière du président du culte. Il avait donné la requête que Dieu puisse nous ouvrir l'intelligence à ces choses. Parce que si ton intelligence s'ouvre, pour ceux qui m'a
Tu es sauvé. Cela que le Seigneur n'a pas prédestiné à la gloire, le Seigneur les prive aussi de la compréhension. Le Seigneur te donne la compréhension. Cela veut dire que le Seigneur ne t'a pas prédestiné à aller en enfer. Amen. 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 La femme de Manoac, voici à Manoac, la mère de Samson. Maman et Samson, il avait dit à son mari, a émissé qui est père de son mari s'inquiétait. Il disait, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Mais sa femme lui dit, mais voici la réalité. Dieu avait besoin de nous ôter la vie. Il n'allait pas nous faire entendre ces choses. Il n'allait pas nous faire voir ces choses. Il n'allait pas non plus recevoir de nos mains ces offrandes. Pourquoi je te dis que Dieu ne te destine pas à la mort? Parce qu'il te fait entendre ces choses. Comme je vous avais dit au commencement, la vie éternelle, c'est dans ces choses. C'est dans la parole que nous prêchons dans cette église. C'est dans l'évangile éternel. Esaïe, il est en train de dire dans le chapitre 59, au verset 14, jusqu'au verset 15. Il a vu Israël dans le péché. Il dit la délivrance s'est retirée. Le salut s'est éloigné. Parce que la vérité a trébuché sur la place publique. Voyez la vérité. Lorsque la vérité tombe, la vérité trébuche sur la place publique. Parce que d'après la Bible que nous avons, la place publique c'est la chair ici. Là où on proclame la vérité, mais si ici on fait tomber la vérité, cela veut dire pour ces gens-là, il n'y aura pas l'enlèvement. Le salut aussi s'est retiré. Cela veut dire là où on ne prêche pas la vérité, tous les fidèles ne sont pas encore nés dans le Seigneur. Là c'est le témoignage des saintes écritures. C'est pourquoi nous efforçons toujours de vous prêcher la vérité. Et vous aussi, vous devez rester attaché à cette parole. Parce que c'est dans ces choses qu'il y a votre gloire. La vie éternelle dans les siècles à venir. Dans les siècles à venir. Et même dans les siècles présents, le Seigneur vous fera grâce des choses de cette vie. Cette parole que nous avons à cette parole que nous avons à toutes choses. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Mais ton problème, c'est seulement prier à Dieu que tu sois obéissant. À chaque fois que ton esprit s'ouvre à la parole de Dieu. Amen. On avait déjà commencé à parler sur les faveurs saintes promises à David. Les faveurs saintes que Dieu avait promises à son serviteur David. Les dimanches, on avait seulement fait une petite introduction. Et on avait dit qu'on va continuer dans la suite parce que nous avons encore du temps par la grâce de Dieu. Dieu est venu.
Il est en train de témoigner qu'il a trouvé, qu'il a élevé au milieu du peuple un héros. Il a prêté secours à un héros. Il a élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et il a oint cet homme-là de son huile sainte. On avait dit ceci. David, donc, ici, David était que David est comme signe. David est le parce que si Dieu veut enseigner les gens, donc il sait que l'homme est lent à comprendre le langage de Dieu. On a dit que mon toi, et le Seigneur va se servir des signes. Mais si à partir de ces signes-là, vous allez comprendre ce que Dieu veut dire. Et les signes que Dieu a utilisés, c'était les hommes dans la première alliance. C'est pourquoi j'avais donné une écriture de Zacharie chapitre 3, le verset 8. Il dit ceci. Écoute Josué, toi et tes amis. Vous me servirez des signes. Le Seigneur prend des hommes. Et il se sert de ces hommes-là comme des signes. Pour enseigner le peuple. Cela veut dire quand tu vois ces hommes-là en action. Il faut comprendre ce que Dieu veut parler par rapport à la vie de ces gens-là. On a pris un exemple sur Gédéon. Israël était dominé par Madian. Israël a été dominé par Madian. Amen. Amen. Le Seigneur va élever un homme appelé Gédéon. Il va lui donner la mission d'aller délivrer Israël. Et Israël aussi sera délivré par Gédéon. Israël a besoin de Gédéon. Amen. Amen. Le Seigneur va appeler Moïse. Il va lui donner la mission d'aller délivrer Israël entre les mains des Égyptiens. Et le Seigneur sera avec lui. Et Moïse va délivrer le peuple entre les mains de Pharaon. Moïse a collé par la bocambo la liberté d'Israël. Amen. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus viendra, il dit ceci dans Jean chapitre 8. Je crois le verset 32. Il dit ceci. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Il voulait dire quoi? Pour ces libérateurs-là que vous avez lus dans les livres des prophètes, il n'était pas réellement des libérateurs. Il ne parlait que de ce que moi l'Éternel je devrais faire. Pour montrer que le vrai Gédéon c'est Jésus-Christ. Le véritable Moïse c'est Jésus-Christ. Moïse est le véritable Othniel c'est Jésus-Christ. Le véritable Othniel c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là, ils étaient les signes du Messie. Ils prennent un homme. Il prend un homme. Et l'appelle donc son sacerdoce. Il lui donne le sacerdoce. Et on appelle cet homme-là souverain sacrificateur. Et les gens aussi à cet homme-là respecter. Il est souverain sacrificateur. Il a été appelé de Dieu. Il travaille pour l'expiation du peuple. Mais ce souverain sacrificateur-là n'était qu'un signe. Parce que le véritable souverain sacrificateur aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Véritable Aaron, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est entré dans le ciel même. C'est lui qui a traversé.
miracle qui n'est pas fait de se mettre dans la Aujourd'hui, il n'y a aucun pasteur qui peut être souverain sacrificateur. Si il y a un pasteur qui se dit être souverain sacrificateur, comprenez directement qu'il est diabolique. Non, c'est moi le pape, le représentant du Fils de Dieu. Il n'est pas Jésus-Christ. Parce que quand le roi est retranché, la Bible dit qu'il n'y a pas son successeur parmi les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas un représentant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ en forme. Saint-Esprit. Il est en train de travailler dans le ministère de la parole. C'est là pour vous dire quoi? Je veux vous dire que le véritable David, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est David là, il n'était que l'ombre du véritable Jésus-Christ. C'est le témoignage du frère Pierre lui-même aujourd'hui. On dit David, il était prophète. Il était prophétisé au sujet du Christ. Vous savez, si tu vivais dans la même époque avec David, et que tu l'entends chanter, tu allais dire que vraiment David, c'est un homme heureux. Il avait des cantiques parfois qui étaient une folie. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parfois les gens pouvaient dire à sa famille, votre papa, il est éternel. Il est pour toujours. Il chante par le Saint-Esprit là-bas qu'il ne mourra pas. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas que David parlait au sujet de Jésus-Christ. C'est lui qui est éternel. Quand même il pouvait mourir, mais il avait le Il ne sort jamais à Koufabate. Là, vous avez déjà compris. Et si vous allez suivre ce sol, le véritable David, c'est Jésus-Christ. David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le Seigneur est en train de dire ceci. Mais Jésus, vous allez vous rebarrer. Il dit, j'ai donné secours à un héros. Amen. Je n'appelle ça qu'il n'y a pas de soumis. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Donc, il n'a pas dit la liberté. Et je n'ai point de mon huile. Il n'y a pas qu'il n'a pas de la liberté. C'est la vie. Et que vous avant que le Seigneur ne pointe cet homme-là, c'est pour l'homme était déjà un héros. Cet homme-là était déjà un vaillant. Mais le Seigneur l'a trouvé. Parce qu'on était en train de les chercher. J'avais dit le dimanche. Quand on parle de trouver, cela veut dire avant la mort, on était en train de chercher cet homme-là. C'est comme Nathanaël. Le voilà Nathanaël. De Philippe avait dit. Philippe a dit ça. A qui Philippe avait dit? Na oyo Philippe a le bâti. Là nous avons trouvé. Yakatomoni. C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi. Et oyo Moïse a commandé la carte au même. Et pour qui tous les prophètes ont prophétisé. Et bah sa polignon se va savoir la vie. Moïse avait prophétisé. Et pour mettre en Moïse à savoir la vie. Et le Seigneur suscitera des milliers de vous un prophète. Les peuples étaient en train de chercher. Et génération en génération, elle était en train de chercher ce nom-là. Mais un jour,
Cet homme-là s'est révélé au peuple. Et Philippe dira à Nathanaël. Nous avons trouvé. Cela veut dire que cet homme-là qu'on cherchait s'est manifesté. Et la première manière, David. David. Il n'a pas paru seulement comme ça puis on l'a oué. Non. Il était déjà là. Il faisait déjà les exploits. Mais seulement, c'était dans les mystères. J'ai déjà dit si le véritable David c'est Jésus. Avant que Christ ne vienne dans la chair, avant que Jésus soit mort dans la chair, avant qu'il se manifeste au jour, avant qu'il se manifeste dans la chair, il sera vécu dans l'ancienne alliance. Il était là dans l'ancienne alliance. Il était héros. Il ne s'était pas encore manifesté. C'est pourquoi Dieu dira, j'ai prêté secours à un héros. Il était un héros, frère. Avant qu'il ne se manifeste. Avant qu'il était un héros. Cela veut dire c'est lui dans l'ancienne alliance. Il délivrait Israël dans tout ce qu'il a. Mais visiblement comme ça, mais il n'était pas encore manifesté. Mais il délivrait déjà Israël. Quand les ennemis prenaient Israël en otage, quand les ennemis viennent soumettre Israël dans la servitude, Dieu qui les délivrait là, c'est lui David. L'esprit de Christ est là. C'est lui David. Mais il était dans les gens qu'il utilisait. Il était dans les signes qu'il utilisait. Parce que c'est un esprit éternel. Ce n'était pas encore le temps qu'il puisse se manifester. Enfin qu'on puisse le oindre. Vous savez une chose. Moïse est né en Égypte. Moïse a voté en Égypte. Il est né. A Botami. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Élevé par sa fille. Mais à un certain moment, il eut la pensée d'aller visiter ses frères. Il m'a dit qu'il fut lui-même témoin de leur souffrance. Là, je suis dans Exode chapitre 2. Il y a deux jours ici. On dit le premier jour. Il a vu un Égyptien en train de maltraiter l'un de ses frères. Il a tué l'Égyptien. Il a pris la défense de l'Hébreu. Mais le second jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé deux Hébreux en train de se faire. Et il est venu les exhorter à la paix. Ces deux jours-là représentent deux temps. Il y a un temps du mystère. Il y a l'autre temps où il est manifesté. Parce que l'Égyptien là qui va traiter son frère, c'était l'image de tous les ennemis d'Israël qui venaient les accabler. Et là, qui image, il y a beaucoup d'alliance, Israël va se reconnaître. Pendant tous les temps de l'ancienne alliance, dans l'alliance avec Israël, toutes les nations là qui combattaient Israël, Israël étaient représentés aussi comme cet Égyptien là qui représentait le peuple égyptien. Et la servitude de l'Égypte en soi. Même la servitude, même il y a Israël, il y a Égypte, était représenté par cet homme-là qui frappait l'Égyptien. Et Israël était comme le bruit là qu'on frappait. Mais Moïse, il va prendre la défense. Mais Moïse a cause contre la haine. Il va tuer cet Égyptien. Ça, c'est le temps de l'ancienne alliance. Le Seigneur Israël entre les mains de ses frères. Quoi qu'on ne l'avait pas encore trouvé, il était un héros. Mais il va venir le
lendemain, il va trouver deux hébreux en train de se battre. Son frère. Il est venu les exhorter à la paix. Vous voyez quand Moïse est fier. Là, c'est le temps maintenant où Dieu lui-même est en Paris. Il a venu exhorter les Juifs à la paix. La paix dont il est question ici, il a apporté l'évangile. Il a apporté la parole. La parole de la vie. Si vous lisez dans Luc chapitre 17, il dit Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Je prends Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Le verset 41. Verset 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Approchait de la ville. Jésus l'envoya. Jérusalem. Pleura sur elle. Et dit, la bonne antenne, Jérusalem. Si toi, Jérusalem, ce qui est Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné. Donc c'est-à-dire Jésus a pris tout le temps de son ministère comme tout un jour. Donc, Jésus a dit, au moins en ce jour qui t'est donné. Au moins en ce jour qui t'est donné. Ce qui est qui m'a pas ça la bonne dit la dit bien là. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. C'est quoi ils avaient un problème à Marie Bosson là. Est-ce que vous voyez Moïse est venu. Quand Moïse a il est venu vers ses frères. Aïe, et pas de il avait apporté la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est retiré. Là, je voulais seulement vous parler de deux temps. Un temps où il a tué l'Égyptien qui m'a dit. Et un temps où lui-même est apparu maintenant à ses frères. Et un temps où il ses frères l'ont rejeté. Et il a mais la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Mais la Bible dit ceci. Il pensait que ses frères comprendraient que c'est par lui que le Seigneur accorderait la délivrance. Mais ils n'ont pas compris cela. C'est Moïse là, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je voulais seulement vous montrer qu'il y a un temps où il fait les œuvres. Il y a un temps. Il travaille. Mais il y a un mystère. C'est pourquoi le Seigneur a dit que cet homme-là que j'ai élevé, cet homme-là que j'ai élevé, c'est un héros. Ce n'est pas un homme faible. C'est les Juifs. Ils avaient cette connaissance-là que leur Dieu de l'ancienne alliance, leur Dieu qui les délivrait, leur Dieu qui avait séparé la mer rouge, leur Dieu qui leur avait donné l'héritage des pays des nations, c'était lui Jésus-Christ. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Mais il ne le savait pas. C'est pourquoi Jésus lui-même dit. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de temps? Pendant combien de temps ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez
tuer les prophètes. Vous avez maintenant la propagande à sa promis. Changez le micro, frère. Ça crie. Vous ne l'avez pas voulu. C'est pour le moment qu'il m'a dit à votre père. Vous avez tué les prophètes. Mais maintenant, vous ne pouvez pas s'abonner. Donc, il était déjà là pendant le temps des prophètes. Azaraki, déjà là, on attend où on va s'abonner. Il voulait faire l'œuvre de les rassembler. Azaraki, vous savez, vous savez, vous savez, ici. Mais ils ne l'ont pas voulu. Parce qu'il m'a dit à votre père. Amen. Amen. Ils ont tué les prophètes. Azaraki, c'est pourquoi il leur dit. Azaraki, c'est dit, pardon. Mettez-les comble à votre iniquité. Vous avez la retombe de sa coupe à ma soule, vous l'avez vu. Mettez les combles, mettez les combles. Retourne ça, parce que vous avez tué, tué, tué. Le voilà qu'on peut pas dire ma vie. Maintenant, moi, c'est les combles. Le moment, c'est qu'il a tourné sa coupe. Tuez-moi. Le bon balai. Quand vous allez me tuer, quand le bon balai, ça sera les combles. Vous allez suivre le bout de terre. Alors, Dieu va vous livrer dans les malheurs. Voilà, ça m'a petit comme il en a pas su. Amen. Amen. Donc, il était là. Le Hazara du Wana. C'est pourquoi je voudrais te dire que notre Seigneur, c'est un héros. La mort à cette tête, quand la vie soit à mon rendez-vous. J'ai dit que nous allons aller petit à petit. Alors, maintenant, on peut le parler, mais ma mère. Mais je crois aussi que le Seigneur est en train même de t'assister aussi. Et quand la jeune dit, ça m'a dit, on va se faire. Mais nous allons toujours répondre pour ce que c'est lancé. Et donc, on va toujours pour répondre pour tes amis, il a dit. Il faut que tu comprennes bien ces choses. Et on va la ressource là. Si tu es bien assis dans ces choses, c'est fini pour toi. L'assemblée de saints, c'est l'église de la parole. C'est ce qui nous distingue des autres. C'est la parole. C'est ce qui nous distingue nous. Et les autres églises, là ma confession de souci, c'est la parole. L'enseignement. C'est la parole qui nous distingue. C'est la vérité. Alors quand il s'agit de la parole, ce qui est en métal, on doit bien la maîtriser. Parce que le salut, c'est dans la parole. Si tu as des questions, ceux qui ont la vie tourne, il ne faut pas déjeuner. Pour il faut nous les poser. Et c'est bien qu'on a pour tout la puissance. Par la grâce du Seigneur, et dans nous, nous, ensemble, nous allons répondre. Nous allons si nous ne connaissons pas, ceux qui t'ont évité, nous dirons que ici le Seigneur ne nous a pas encore révélé. Amen. Amen. Ici le Seigneur ne nous a pas encore révélé. Ça ne va pas. Ministère. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas la totalité de la révélation. Il dit ce que le Seigneur lui donne. Il dit d'abord ça. Au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, le Seigneur est en train aussi de lui ajouter. Il ne connaît pas tout. Si tu dis tu connais tout, tu es tombé dans les pièges de l'orgueil. Jean-Baptiste. Dieu l'a envoyé. Il avait mis ses paroles dans sa bouche. Il dit va. Il dit va crier. Il va prêcher la repentance. Mais lui-même, dans la prédication, il dit, quand que je vous prêche, il y a quelqu'un qui vient après moi. Il m'a précédé. Mais pour le moment, moi, votre pasteur, je ne le connais pas. Mais il était loin de Dieu. Mais il dit, pour le moment, cet homme-là qui doit venir, pour que je le baptise, moi, baptisé, votre prophète, je ne le connais pas. On dira, pour autant que Jean avait un faux ministère. Mais est-ce que ma que Jean a un faux prophète? C'est pourquoi il lui faut être humble dans la chose. Un homme de Dieu, c'est un homme humble.
qui apprend aussi des autres. Personne n'a la totalité de la révélation. Même Moïse, le prophète majeur. Un jour, on lui a amené un homme qui ramassait du bois pendant les sabbats. Alors, nous avons trouvé cet homme. Il ramasse les bois pendant les sabbats. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Moïse dit, ah, Moïse, mettez-lui dans la prison. La façon que vous me posez, je ne connais pas la réponse. Prenez cet homme. Et mettez-le dans la prison. À la fin de son ministère, lorsque les apôtres sont venus, on a témoigné Moïse était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Mais parmi les questions de son ministère, notre question, il avait répondu, je ne connais pas. Ce n'est pas un péché de dire je ne connais pas. Est-ce que ce n'est pas toi le dispensateur de la révélation? C'est Dieu qui donne la révélation. Mais ce que tu as, maintenant, pêche-le. Et Dieu sera avec toi. L'action sera avec toi. La délivrance sera avec toi. Amen. Amen. Parce que le chemin des justes, comme nous l'a dit Proverbe 4, au verset 18, la personne en 18, on dit ceci, le Bible, les chemins des justes est une lumière croissante. Lit de lumière. Quand les justes marchent sur leur chemin, c'est une lumière qui va en augmentant. Et qui va jusqu'au milieu du jour. Amen. Parce que peut-être que nous sommes là, nous sommes en train de marcher. Et notre lumière aussi est en train d'apparaître. Et nous ne sommes pas encore arrivés à notre terminus. Parce que le milieu du jour, c'est le terminus. Midi. La valeur disparaît. Amen. Amen. Mais ici, nous sommes dans la marche. Parce qu'il y a souvent ce débat-là. Parce que maintenant, il a une petite connaissance. Mais Azana, moi, il y a une très grande connaissance. C'est celui qui a une petite connaissance. Et celui qui a une grande connaissance. Personne n'a la totalité de la réponse. Personne n'a l'intégralité de la chose. Tout se prêche selon la mesure de la grâce que Dieu leur a fait. Si vous avez des questions, posez-les-nous. Nous allons répondre. Et par la grâce de Dieu, si nous ne connaissons pas, nous allons dire que nous allons prier le Seigneur. Ici, le Seigneur ne nous a pas encore révélé quelque chose. Parce que c'est l'enseignement. Un prédicateur ne se fâche pas à cause des questions. Vous savez, c'est bien de rester chez toi. Tu restes chez toi dans ta maison. Tu restes chez toi dans ta famille. Tu restes dans ton travail. Une fois que tu commences à parler des choses de Dieu, Jésus de même. Lorsqu'il a commencé
gens mineurs sont venus lui poser des questions. Ses disciples aussi lui posaient des questions. Parce que s'il vaut mieux pour toi de rester calme. Mais quand tu commences à parler de ces choses, il viendra te poser des questions. Et toi, ne te fâche pas. Parce qu'on te pose des questions. Parce que ces choses non plus ne t'appartiennent. Ces choses appartiennent. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Notre église n'est pas comme toutes les autres églises. Notre église est véritable. Elle a sa forme à elle. Parfois, les gens qui viennent dans nos assemblées, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est seulement le modèle des écritures. Le modèle de la parole. La vie des apôtres. C'est ça notre église. Ils trouvent un modèle autre que celui du dehors. Les gens qui viennent, ils trouvent un modèle qui est autre. Que celui du dehors. Si les gens posent des questions, si les gens sont clairs, ils sont obéissants, mais ils posent des questions. Les choses ne sont pas claires, ils posent des questions. Mais on ne les refuse pas. Mais seulement, il faut les faire avec. Parce que celui qui est établi, il est chef du peuple. Parce que nous tous sommes à Zani, au quotidien. Avant que Dieu vous bénisse. Amen. Le souci est seulement que tu comprennes l'enseignement. Que tu comprennes les grâces de David que nous prêchons. Dieu a dit qu'il a prêté secours à un héros. Et qu'il a élevé un jeune homme, un homme vaillant. Pourquoi? Pour soutenir les guerres de l'Éternel. Il est là où est de son huile sainte. Donc il sera là comme le roi du peuple. Et le roi est établi pour sortir avec le peuple dans la guerre. Et retourner avec le peuple dans la guerre. Mais la peuple, si avec des captifs. Et des grands biens. C'est la raison pour laquelle le roi est établi. Mais celui que Dieu établit, il n'est pas un fainéant. Il n'est pas un homme faible. C'est un homme qui fit héros. Il a fait des exploits dans l'ombre. Mais avant la l'ombre, il avait déchiré les lions. Il avait déchiré l'ours. Il avait l'habitude d'arracher la première de la guerre. Si c'était toi et moi, on allait fuir. On allait dire, laisse-lui aller avec ses couples. Et l'ours aussi fuit avec ta brebis. Il n'était pas comme ça. Il maîtrise l'animal féroce. Maîtrise vraiment. Il frappe. Et puis il ouvre la bouche. Et puis quand l'animal se retourne contre lui, il le tue. C'est ce qu'il faisait au lion et aux ours. Voyez les lions. Toutes les nations qui dominaient Israël. Et David, quand il faisait ça dans l'ombre, David c'était leur propre Dieu. Amen. Je
C'est ça. Et la prémisse était Israël. Venez vraiment, il pensait comme il dit, je le poursuis. Et la nuit, je le frappe. C'est comme il avait poursuivi l'Égypte. Il l'a frappé par des fléaux. Il a arraché la prémisse. Et il voulait se redresser contre lui. Il l'a tué dans la mer rouge. Il l'a tué. Amen. Il l'a tué dans la mer rouge. Mais David lui-même, à un certain moment, il comprenait que ce que je suis en train de faire ici, Jésus, c'est pas le signe de l'homme. C'est pourquoi il va chanter. On va voir ça. Il dit, l'Éternel est mon berger. Mon père, parce que l'œuvre que moi je faisais là-bas, c'est pas moi. C'est pas l'Éternel qui le faisait. Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que lui, il est prédit de l'Éternel. Et il les mentira périr. Donc c'est comme ça que lui, il était dans l'ombre. Je te dis même dans ta vie aussi. Il y a des combats que tu ne connais pas. Mais Dieu te délivre seulement. Parfois tu as besoin de voir vraiment ce qui se passe. Mais Dieu a dit que dans sa souveraineté, il dit je garde ça dans l'ombre. Tu remarques seulement que les gens ont peur de toi. Mais qu'est-ce que j'ai? Dans ma famille, les gens ont peur de toi. Ils sont mal à l'aise quand ils te voient. Parce que le Seigneur les a déjà combattus. Parce que Corona aussi a promis ma mort. Toi, tu ne connais pas. Il fait aussi les choses dans l'ombre. Il n'est pas, il est le Dieu de diversité d'opération. Il n'est pas seulement dans les spectacles. Il est aussi dans l'homme. Mais David est là. Mais David est là. On a dit que c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, il m'invoquera. Mon père. Donc cela veut dire que David, c'est le fils de Dieu. Il dit, mon Dieu, le rocher de mon salut. Donc David, David, c'est le fils de Dieu, Jésus-Christ. On a dit, il m'invoquera. Toi, tu es mon père. Parce que ma première était, à la première, la main de Dieu, ça lui t'attend. Cela veut dire que lui, il est le fils de Dieu. Cela veut dire que David, c'est Jésus-Christ qui vient comme le fils. Mais quand il s'est manifesté, c'était pour soutenir les terres de l'Éternel. Ici, beaucoup de gens aussi se compliquent la vie pour lui. Ah, après, bah, tu connais pas ça pour compliquer pour le gouvernement. Jésus, fils de Dieu. Jésus, moi, dans la main. Jésus, Dieu. Jésus, amen. Maintenant, il est comment? Maintenant, à ça, le même nombre. Tu comprends pas. Jésus, ce sera toi. Alors, il faut te taire. Et après, c'est que nous pas d'accord. Il y a trois dieux. Et ça, par exemple, il y a ça pour faire. Les dieux ne mériteront pas les royaumes. Encore, par exemple, vous m'avez dit, mais ça, tu vas pouvoir avoir beaucoup de chance. Mais les Dieu, mais il y a un père qui est différent du fils, qui est différent du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Mais le fils aussi est Dieu. Mais moi, on a peur à Zalisa. Le père aussi est Dieu. Et tata peut à Zalisa. Mais ils sont différents. Mais Bazali partout à vos PC. Donc, trois esprits. Bazal, le livre de ça. Il t'explique ça avec un bon français. Et dans le Bazal, il y a un bon Bazal dans le peuple de la Il faut vraiment qu'il convainc Dieu. Dans
Alors Dieu se fâche. Comment il peut avoir trois esprits différents? Comment quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Fils. Fils, moi. Tu pourquoi il est appelé fils, fils? Pour l'œuvre de la rédemption. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, il avait créé un fils à lui. À qui il avait remis toutes choses. Et ce fils-là, c'était Adam. Et moi, la voilà, c'est la guide Adam. Il a dit domine. Assujetti. Sois le maître de toutes choses. Mais ce fils-là a perdu la royauté. Par les péchés. Vous savez, Dieu, vous devez connaître les principes de Dieu. Dans sa manière de faire, quand il veut bénir une femme, il ne bénit pas tout le monde. Il prend les premiers-nés de la femme, il lui donne l'héritage. Mais tous ses frères vont bénéficier à travers ses frères. C'est Adam. C'est lui que Dieu avait tout remis. Et tous. C'est-à-dire que quand il avait la domination, nous aussi nous étions dominants. En lui, Adam. Quand il a péché, il a entraîné tout le monde dans le péché. Mais le principe de Dieu, c'est quoi? Je dois créer un autre premier né. Pour lui donner l'héritage. Des enfants de Dieu. Que tous les fils de Dieu héritent en lui. Regardé sur la tête, tout le monde était suivi. Il était resté que lui seul. C'est pourquoi il s'est fait fils. Dieu pour remettre aux gens l'héritage perdu. Il savait que Jésus, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais il prêchait toujours béni soit le peuple de notre Seigneur Jésus. Tu ne seras pas sur cette chaîne. Ce n'est pas ça Dieu. Notre Dieu. Il voyage sans se déplacer. Amen. Il voyage sans se déplacer. Il veut vraiment un voyage. Mais il ne se déplace pas. Il faut être fou. Faut aller dans le bon.
pour venir faire l'œuvre du Fils. On dit tu descendis sur la montagne. Non, tu descendis au Kiti. Au Kiti. Nangomba. Nangomba. Mais tu leur parles à Dieu des cieux. Alors qui parlait? Dieu des cieux. Notre Dieu ne laisse pas son trône vacant. Il ne laisse pas son trône vacant. Son trône fonctionne 24 heures sur 24. Il est capable de déchausser à mon frère qui est là. Maintenant, un autre frère qui est en Chine. Mais un autre frère qui est en Chine. C'est ça notre Dieu. Il y a deux ou trois. Se sont réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. C'est facile, hein? Ils appellent trois. Imaginez que nous ne sommes pas les seuls fidèles à avoir les cultes. Amen. Amen. Il est avec nous. Il est aussi notre frère là-bas. Il est aussi notre frère là-bas. Il est aussi notre frère là-bas. Trois dieux. Il est au même moment à plusieurs endroits. Et en même temps sur son trône. On dit, hein, l'Éternel est assis sur son trône éternellement. Depuis qu'il est assis sur son trône éternellement. Si je dis seulement que tu restes sur cette chaise jusqu'au petit matin, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Hein? Tu auras l'hernie discale. Hein? Tu vas tomber malade. Les corps aiment le mouvement. Parfois les réponses. Tu es en position couchée. Quand nous sommes la position à mais lui il est là. Mais il est là. C'est pas des saints. Il est là. Assis sur le trône éternellement. Afin de nous vraiment que le Seigneur Jésus-Christ. Amen.